Et salut à tous, c'est bien Mécanis31 et on se retrouve pour une carrière manager. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Pour ceux qui sont nouveaux, je vais me présenter. Je m'appelle Mécanis31, je fais des carrières manager, une carrière manager minimum le samedi à 16h30. Là, il y en aura aussi le mercredi vu que c'est le début de FIFA. Enfin, j'essayerai. Il y a des reviews tous les jeudis aussi qui sortent à 18h. Le vendredi, c'est des packs opening. Et ensuite, dans la semaine, c'est une vidéo délire. Ça peut être sur GTA, sur Assassin's Creed. Là, c'est sur F1. Donc, ça dépend de mes envies. Du coup, vous avez vu dans la miniature le club que j'ai choisi. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est un club de Liga BBVA. Et c'est bien sûr la Real Sociedad. Comme vous avez vu, j'ai choisi ce club. Premier truc le plus important pour moi, les deux trucs les plus importants, c'est parce qu'il joue l'Europa League. Et ça, c'est toujours appréciable. Un club qui joue une Coupe d'Europe dès la première saison. Deuxième point très important, c'est que là, c'est l'ancien club d'Antoine Griezmann. On essaiera de le faire revenir. Ensuite, c'est un club qui joue IRL, pas les premières places. C'est un club challenger. Il joue entre la 5e et 7e place. Donc voilà. C'est toujours intéressant, du coup on va changer ça vite fait. Et ensuite aussi, parce que c'est vous qui m'avez dit de prendre ce club via le Stropole, donc je vous suis, ils n'ont pas un gros budget, ça c'est cool, ils ont 14 millions, on a pu voir, on va mettre le nom, hop, on s'en fout de tout ça. Et je vais vous montrer l'équipe, je vais faire un petit rapport d'équipe, vous montrer qu'est-ce qu'on va changer et tout, parce que j'ai déjà tout préparé. Nationalité française, c'est où que c'est? France, France. Hop, peut-être je ferai un montage quand je ferai les équipes. Et on est parti. Pour cela, ça fait. Oula, pardon, non, on va mettre légende, devise euro, stade, on s'en fout. Non, oui, première saison directe, on va mettre ça. Voyons contre qui on va tomber. Je sais pas du tout où on est. On est où là? Ouais, j'en sais rien. Franchement, je vous vois pas. Ok, génial. Ah non, Europa League, c'était normal. On était en Ligue des Champions et on est où? On est où? Ouais, je ne vois pas. Oh, c'est bizarre ça. On est où? Non, nous, pardon. Ok, je sais pas. Peut-être on doit jouer le barrage comme IRL. Oui, je ne vois pas. Bon, on va passer, on s'en fout. Là, bim, non. Ça, c'est bon. Du coup, on va débuter, ça télécharge. Du coup, oui, je vais vous dire les équipes, les joueurs, pardon, que je vais recruter. Je vais vous montrer le rapport d'équipe, qui c'est qu'on va vendre, etc., etc. Je ne sais pas du tout si ça met longtemps, les négociations de transfert interactives. Ok. Ouais, on s'en fout. C'est la première fois que je lance FIFA là. C'est le tout premier truc que j'ai fait, je vais pas vous mentir, ça fait hyper plaisir de pouvoir rejouer à FIFA. Qu'est-ce que ça dit? Bienvenue dans la mode carrière, blablabla. Ok. J'espère qu'on aura une petite animation parce qu'on sait que maintenant il y a la petite animation pour les transferts. Après, peut-être c'est pour les gros transferts, j'en sais rien du tout. Miranda qui va à l'Inter, ok, tout est normal. Oh, c'est long, ça c'est vraiment du reste, ça c'est vraiment long. Ouais, Lukaku, ça on le savait. Comme IRL, quoi. 81 millions, tranquille, j'ai envie de dire, Lukaku. Bon, c'est enfin terminé. Oh là 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 là. La case qui est allée à Arsenal pour 67 millions. En vrai, là, ils mettent les transferts qu'on connaît déjà. Hop, on s'en fout, bim. Du coup, on va voir un petit rapport d'équipe. Si ça veut mettre pas longtemps, oui, on accepte. Où c'est qu'on peut aller? Ouais, non, là déjà c'est mort. Combien on peut gagner? Leicester, vas-y, on va prendre cette coupe. On s'en fout. De toute façon, on la jouera pas. Je sais pas du tout si je ferai des matchs dans cette vidéo. Ça m'étonnerait. Ah, voilà. Ah non, c'est pas ça. Ouais, je sais pas du tout pourquoi. Pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Ah, peut-être le tirage n'a pas été fait ou j'en sais rien. Je comprends pas. Ou peut-être ils sont pas passés. Bouclier européen. Ok. Ça, on s'en fout. Ça. Ah mince, les attentes. Ah, dur. Ah, j'ai supprimé. Oh zut. Bon, c'est pas grave. Ouais, le rapport, je me présente. Oh là là, dur. De toute façon, on peut le voir si ça n'a pas changé
comme FIFA, c'est Copa España, c'est atteindre les huitièmes de finale et se qualifier pour la Coupe des Champions. Ok, ils sont chauds, il faut se qualifier pour la Ligue des Champions. Ok, eux ils sont vraiment chauds. Du coup, un petit rapport d'équipe s'impose. Oh, mais ça a changé. Rulli dans les cages, voyons, attendez, ajouté à la liste des transferts, voilà, Siasniga, je connais pas du tout, mais ça, ce gardien, je crois que ça sera mon gardien remplaçant, ouais, voilà, ça sera mon gardien remplaçant, du coup, lui, on va l'ajouter à la liste des transferts, Odraziola, je connais pas non plus, Ulustondo, Zuelda, Corasbel, Martinez, Navas qui est un peu connu, Llorente connu, Martinez. Voyons, ah mince, les stats, voyons les stats, mince. On peut pas voir comme ça. Comment on fait pour voir? Ah, c'est comme ça. Enfin non, je sais pas, mince. C'est comment qu'on fait pour voir les stats? Non, c'est pas ça. Ah, c'est comme ça, voilà. C'est comme ça. Aguirre aussi qui va partir. Pourquoi? Parce qu'il va partir parce qu'il est trop lent. Du coup, on va l'ajouter à la liste des transferts. Voilà, Davila, pardon, lui on va le prêter, il jouera jamais, hop, il a des stats dégueulasses, 60 d'accélération, lui on va le garder parce qu'il sera en équipe bis, je crois que je l'avais mis, José lui il sera dans l'équipe bis aussi parce que regardez ses stats, 65 d'accélération, 68, c'est vraiment dégueulasse, on va pas se mentir, il a 3 étoiles de gestes techniques, ouais voilà, 3 étoiles de gestes techniques, ça c'est pas pour moi, Bautista, un jeune, mais qui jouera pas. Donc, lui aussi, on va le prêter, à mon avis. Vas-y, on va le prêter. Voilà, on le prête. Ensuite, Muguruza, je sais pas si ça se prononce comme ça. Ouai. Ah non, pardon, je croyais qu'il avait 34 ans, mais il a 30, non, 23 ans, pardon. Oh, j'arrive pas à lire carrément. Du coup, lui aussi, on va le prêter. Ensuite, la star de l'équipe. Carlos Vela, il faudra recruter un MD vu que Carlos Vela IRL, en principe, si c'est comme IRL dans le jeu, il devrait partir en janvier. Capilla, qui va être prêté lui aussi, vu qu'il va pas jouer. Regardez ses stats, quoique ses stats ne sont pas dégueulasses. Ouais, retiré de la liste des prêts, on va le garder. Kenales, on va garder aussi. Januzaj, bonne stat, correct. Partout, il jouera dans l'équipe titulaire. Lui, Merkelenza, on va prêter. On connaît pas. Il a des stats pas mal, pourtant. Ouais, on va le garder. Allez. Mince. Ah non, c'est bon. Guridi. Ah, lui, c'est un prêt. Bergara. Ah, dur. Ah, dur, dur, dur. Guridi. Ok, stats vraiment pas top. Ensuite, Guevara. Precio qui va partir aussi. Je vais le mettre sur la liste des transferts, regardez ses stats, 45 de vitesse, n'importe quoi. Yarramendi qui va être titulaire, Zuruza qui sera en équipe B, Pardo qui sera en équipe B ou en équipe A, je sais plus. Non, je crois qu'il sera en équipe A, de toute façon, oui, je vous ferai les équipes. Zubeldia qui sera vendu, je crois, oui, il sera, quoi que je sais plus. Ouais, bref, je verrai, non, je le mettrai en équipe B, je crois. Concha qui est prêté, ok. Hector qui est prêté. Franchement, lui, il a des stats pour un DG. Je me tâte à le rappeler parce que j'avais vu ses stats et franchement, vraiment pas mal, Hector. Même en MG, on verra si on peut le rappeler. Voyons combien ça doit coûter. 204 000. Ouais, c'est pas cher. Vas-y, on va le rappeler. Il a des stats correctes. En plus, ça peut m'éviter de recruter parce qu'il faut que je recrute un DG. J'ai marqué un DC, un MC et un AD. Peut-être lui, franchement, ça peut être la bonne surprise de Bella qui va partir, lui, parce que regardez, il est dégueulasse. Il est vraiment dégueulasse. Ensuite, Rodriguez qui va jouer en équipe bis ou en équipe A, je sais plus. Non, en équipe bis, voilà. Martinez, des stats corrects. Diego Llorente, pardon. Voilà. Ensuite, Navas qui va partir aussi à cause de sa vitesse, le pauvre en DC 55, c'est vraiment limite. Martinez qui a 55 de vitesse, lui aussi, on verra bien ce qu'on en fera. Gorazabel qui a 20 ans, mais bon, c'est pas la folie non plus. Ulostondo, Odro, Ziola, je connais pas. Ramirez, Sienega, oula, ah oui, ok.
Oh là là, ah oui, mais c'est un gardien aussi, c'est normal. Ouais, c'est des gardiens et Rulli. Du coup, on va faire les équipes. Je vais faire les équipes et on se retrouve. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Retour de prêt. Ah oui, il y a le retour de prêt. Ok. Du coup, je vais faire les équipes et on se retrouvera dès que j'ai fini les équipes. Je vais vous montrer l'équipe A et l'équipe B. Allez, à tout de suite. Bon, me revoilà. J'ai fait l'équipe A et l'équipe B. Je vais vous montrer les équipes. Je vais vous expliquer pourquoi les choix. Donc, à MG, j'ai mis Januzaj. Januzaj, ou je sais pas comment il s'appelle, parce qu'il a 4 étoiles de gestes techniques. Ensuite, Jean-Mi, parce qu'il est assez rapide, enfin assez rapide. Il a 78 de vitesse, il est plus rapide que José et il a les 4 étoiles de gestes techniques. Bon, Vela, on n'a pas besoin d'en parler. Yaramendi, pour un milieu assez solide avec Pardo. Bon, là, on recrutera un MC. Ensuite, il faudra un DG aussi, mais pour l'équipe BIS, parce que Hector, il est vraiment pas mauvais. Ensuite, Martinez, j'ai mis Martinez, très belle carte, hein, franchement, propre pour un DC. Ce DC, bon, c'est un DD en plus, mais on s'en fout un petit peu parce qu'il sautera. Enfin, il sautera, il y aura un autre DC, une recrue, et j'ai mis lui Odroziala, il me semble, ouais, voilà, parce qu'il a 83 de vitesse. Ensuite, en équipe B, là, il va falloir recruter, j'ai mis Hector, mais bon, vu que, mince, comment que ça s'appelle? Ah non, Hector, on peut le laisser DG. Ouais, on verra bien. José en pointe. Là, je recruterai un MD. Yaramendi, qui, vu qu'il est dans l'équipe A, il sautera, vu qu'il y aura un autre MC. Mais je pense que là, on jouera Filou. On mettra un MC du centre de formation. Pardo, Zuruza, le français. Voilà, ça fait un milieu à peu près correct. Voilà, ils ont 70. Llorente parce qu'il est prêté et j'ai pas le choix, je peux pas le vendre. Gorosabel, voilà, stat vite fait quoi, mais bon, ça peut passer je pense, vu qu'il évoluera. Et Lustondo, pas dégueulasse aussi, regardez, une bonne vitesse, etc. etc. Il peut jouer DD, DC en fait, c'est pour ça que je le mets là, regardez, DD, DC. Et Rodriguez qui est pas dégueulasse non plus, voilà, 74 de vitesse. Et le gardien Ciénega, Cisnega. Moi, je sais pas comment ça se prononce. Bref, on s'en fout parce qu'il a un grand potentiel et qu'il est grand. Et du coup, les transferts, voilà. Qui c'est que... C'est où? Je sais pas, attendez. On peut pas voir où c'est que les choix que j'ai fait. Non, c'est pas ça. Peut-être chercher joueur. Non, accueil transfert. Oh, je suis perdu. Là, j'avoue, je suis perdu dans les menus. Voilà, c'est ça que je veux recruter. Blin, Neres. Enfin, essayer d'en voir au moins Akolo parce qu'ils ont de gros potentiels. Ouais, je sais pas, on peut pas voir. Ok, on peut pas voir. Tout est normal. Bref, ils ont de bons potentiels. Sisto, Tierney, Barreca, Stark, Kimpembe, mais à mon avis, on l'aura jamais. Holding, Upamecano. Et ensuite, c'est tout. J'ai mis que eux. Il faudra aussi peut-être un DC d'expérience. Du coup, on va avancer. Allez. On va bien voir s'il y en a des propositions de transfert. Je sais pas si jamais je m'arrêterai au début du championnat. Ça serait bien qu'on ait réussi des transferts. Pour l'instant, il se passe rien. Je comprends pas. C'est vraiment relou là. Hop. Prêt. Ouais, ok. Zubeldia. Zubeldia. Je sais plus du tout si il jouait dans mes équipes. Je crois pas. J'en suis pas sûr. Non, il jouait pas dans mes équipes en même temps. Ouais, on va. C'est où? Riron. Ah oui, Riron. Du coup, ouais, voilà. On va accepter. Hop. Mais pourtant, je comprends pas parce que ça aurait dû me renseigner sur les transferts. Je comprends pas. Pourquoi ça veut pas? On peut pas. Ah, approcher pour achat. Voilà, déléguer pour achat. C'est quoi ça, déléguer? Mais non, c'est pas ça. Approcher pour achat, voyons. Attendez, peut-être une animation. Ah oui, animation. Par contre, on n'entend pas le son. Ouais, mais indemnité, on ne sait pas combien il vaut. Je sais pas combien il vaut, moi. Allez, vas-y, on va proposer 2 millions. On peut pas savoir combien il vaut.
Ouais, je dois valoir 3 millions, allez. Hop. C'est chiant là que ça parle pas, je comprends pas, ça veut pas parler. Millions 2, ok. Ah, c'est maintenant, c'est comme ça les nouveaux trucs. Oh là là, ça va être lent cette cinématique. On va essayer de négocier contre-proposition. On va mettre proposer un nouveau montant de contrat. Non, on va essayer de négocier un petit peu. 4 millions 5, allez, 4 millions 5. Continuer, soumettre l'offre. Hop, on dirait mais ce qu'on s'appelle Hunter. Oh, c'est long là par contre. Hein. Ça serait bien qu'on l'a. Ok, affaire conclue. Voilà, parfait, on a plein. Nickel. Oh, propre en plus, c'est dans son bureau et tout. C'est bien, c'est beau gosse. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Négocier le salaire, ok. Ah, maintenant on va voir Blin, certainement. Voilà, Blin qui arrive. Oh, ça risque d'être long, hein. Oh, il est pas mal fait en vrai, Blin. Propre. Stylé, man. Espoir crucial. Important. Popopopopo. Sporadique, c'est quoi? Important, vas-y, on va lui mettre important. Oui, il jouera titulaire, de toute façon, donc voilà. Parfait, c'est ce que nous espérons. Mon client est satisfait du poste que vous lui proposez. Ok, voyons le contrat. Qu'est-ce que c'est long quand même. Ah là 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 là, je pense que je passerai. Durée 5 ans. Ouais, il est chaud lui. Vas-y, on s'en fout, on lui dira oui. T'inquiète, Blin. Ah ok, on peut passer directement. Accepter, vas-y. Accepter, allez. Cela nous convient. T'inquiète, ok. Je vais laisser tout pour l'instant. Il est content, il a le petit sourire et tout, hein, t'inquiète. Proposer une clause libératoire, on sait jamais. Ouais, non, faut pas déconner. On l'a payé 5 millions, on va mettre escroquerie à 16 millions. Voilà, 16 millions, on va voir si jamais c'est pas grave. Continuer. Bon, accepte ou pas, c'est comme tu veux. Ok, bah, c'est pas grave. Une clause de 13 millions 5. Accepter, on va accepter. Ok. Cela me semble honnête. Propre, propre, bien joué, Blin. Il sourit tout le temps. Lui, il est toujours content. Ok. Ah, maintenant c'est l'argent? Ouai! Mais ça va durer des éternités maintenant les transferts. Hein. Salaire combien qu'il veut? On sait pas du tout combien il veut. C'est génial, c'est génial. Vraiment, vas-y, on va lui mettre 30 000, oh, 20 000. Prime à la signature, rien du tout, ça va, faut pas déconner. Soumettre l'offre. Bon. C'est dommage qu'on n'entende pas leur voix, hein. Vraiment, hein. Ah mince! Ouais, dur, j'aurais pas dû mettre autant. Oh, le con. Oh, aïe, aïe. Par contre, là, pour cela, à mon avis, on va. Ah, j'ai obtenu un petit trophée. C'est quoi délégué pour achat? Le club à qui le rejoint? Ah, d'accord, c'est ça. Putain, dur, voyons ça. Ok, mais. C'est quoi ça? Ah, mais on peut pas les. Mince, j'ai ajouté à 0 euro, le con. Oh là là. Délégué. Mais non, mais c'est pas ça, on s'en fout. Du coup, on va approcher pour achat. On va voir. On va passer, de toute façon.
Et nos joueurs, ils s'en vont pas. On va passer maintenant qu'on a compris le système. Hop, on va passer. Proposition de transfert. On va mettre, allez, on s'en fout. Oula, non. Si, 2 millions. Comme ça, on verra. Hop. À mon avis, c'est sûr que ça sera pas accepté, mais bon. Il va dire 10 millions, à mon avis. Voyons. Why? Oh. Oh, le refus, le stop qu'il m'a mis. Oh. Oh, c'est méchant. Oh là là. Mais c'est pas possible, ça. Oh, il m'a mis un stop. Oh, j'aurais pas dû mettre ça. Mais aussi, on peut pas savoir combien ils valent. C'est n'importe quoi. Du coup, ben, on va passer à Naveres. Hein. Oh là là. On peut pas savoir. C'est ça qui est chiant. Ah, il va pas accepter. Là aussi. Oh là là là. Sisto, approché pour achat. Là aussi. Stark, voyons. Pour achat. Peut-être j'aurais dû tenter holding. Oh, j'ai fait le con. Je crois que j'ai fait le con. J'aurais pas dû faire ça. Ah, j'ai fait le con. Dur. Dur, dur, dur. Voyons, on va proposer à 3 millions. Oh putain, j'aurais pas dû tenter holding. Vas-y, on va retourner. On peut pas faire un retour. Aïe, aïe, aïe. J'aurais dû tenter holding. Mais j'ai fait le con. Vas-y, 1 million, on s'en fout. Il acceptera jamais, de toute façon. C'est sûr qu'il accepte pas. Voilà, c'était sûr. Oh là là, mais c'est n'importe quoi ça. Peut-être on peut renégocier. Ah, on peut pas négocier après. Vas-y, on va tenter truc là. On va tenter holding. Approcher pour achat. On va mettre, allez, à 3,5 millions. On va essayer. Ça met le stress en plus, cette petite musique là. Assez chiant, hein. Mettons-nous d'accord. T'inquiète. On va proposer. Hop. 4 millions. Allez, même 4 millions. Sinon, ils vont pas accepter. Continuer. Soumettre l'offre. Voyons s'ils acceptent. Ou Arsène! Ok, une clause de revente. Contre-proposition. Modifier la clause de revente. Soumettre l'offre. C'est quoi soumettre l'offre? Oh mince! J'ai appuyé sans faire exprès. Oh le con! Oh le beau gosse Arsène! Ça fait plaisir, il est modélisé. Hop, là, il va falloir modifier, négocier. Ok, on a un DC et je sais plus ce qu'on a eu. Mince, je me souviens plus. Allez, Holding, viens ici. Merci de nous recevoir. Commençons par évoquer le rôle de notre client. Il sera quoi? Il sera. Mais c'est quoi qu'il voulait? Ah, ben encore mieux, il veut pas être titulaire accepté direct. Parfait. Nickel, il n'y a rien à dire. Hein. Maintenant, 5 ans, mais maintenant ils veulent tous 5 ans, quoi. Calmez-vous, les gars. Accepté, on s'en fout. Parfait. Nous sommes ravis. Cela nous convient. Ok, d'accord, continuons. Maintenant, il faut parler. Ou une clause libératoire. Wow, ils sont chauds, eux. Accepté, bim. Oh, c'est chaud. Bien. Nous souhaitons évoquer. Why? Compte tenu des qualités de notre client, mérite 58 millions. Why? Mais ils sont chauds. Prime à la signature. Contre-proposition. C'est ça. Modifier le salaire. Voyons. Par contre, non. On va mettre à 50. Ah non, il va pas accepter après. Oh, vas-y. Mais il est trop chaud, lui. Non, pas ça. Hop. Là. Prime à la signature, contre-proposition, modifier salaire et prime à la signature. Eh non, ça va. 500, 600 000, allez. Oh là 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 là. Continuer, soumettre l'offre. Voyons. Bon, il a l'air satisfait, à mon avis. Oh là là, mais vas-y, c'est quoi ça? Prime à la signature, 740 000, 5 titularisations. Ouais, mais vas-y, mais il est trop chaud lui. Bon, 56 000, ça va. Vas-y, 640 000, allez, continuez. Soumettre l'offre. Oh, mais ils sont trop relous là. C'est une offre équitable, c'est pas possible, nous pouvons. Oh, mais ils sont pas.
Oh, les pénibles. Vas-y, on va essayer de gratter. À 700 000. Hop, on continue. Soumettre l'offre. C'est quoi la prime? Ah oui, mince, modifier la prime. Ouais, on va le mettre à 15 et on va le baisser. Calme-toi quand même, garçon. Hein, c'est pas possible ça. 230 000, hop. Soumettre l'offre. C'est long, là c'est long. J'avoue, c'est long. C'est une offre équitable. Mais vas-y, mais tais-toi. Oh là là, c'est pas possible. Modifier. Bon, on va être obligé d'accepter ça. On va modifier juste la prime. Hein. On va mettre sur 10, 250 000 vu qu'on est des rats. Oh là 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 là, soumettre l'offre. Je suis sûr qu'il va dire pareil. Toujours pareil. Ouais, carrément, il me met un stop, carrément. C'est chaud ça. Oh là là. Là, on sait déjà. Voyons pour Kimpembe ou Akuparano. Ouais, vas-y, on va tenter. Ah mince. Il a rejoint le club récemment. Voyons. Oh là là, ce joueur n'est pas à vendre. Oh, dur, 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 dur. Oh la misère. Et là, c'est dommage là. Putain, j'ai fait n'importe. Aïe, 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 aïe. J'ai fait n'importe pour le DG. J'ai fait n'importe quoi. Barreca qui viendra pas. Il y avait aussi Akolo et Sisto. Ah mais Sisto, ok. Ah mais ok. Il était DG en plus, il pouvait jouer DG et AG, dur, 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 dur. Et Akolo, il est où Akolo? Il est là, il peut jouer DG aussi. Non, AD, pardon, DG c'était Soares, mais il n'est pas évidemment. J'ai pas dû trouver Tierney, mais Tierney, on n'a pas de nouvelles. Aïe, aïe, aïe. Du coup, on va falloir attendre, à mon avis. Il va falloir attendre, on va avancer, on va simuler. Le match, ouais, ça bug carrément, ça bug de ouf, oh là là là, la misère. Allez, faites pas les cons, faites pas les cons. Gagner, ça ferait plaisir. Passer, on a gagné 2-0. Pardo et Vela qui ont marqué, parfait. Par contre, nous, nos joueurs, ils veulent pas partir. Et ça, c'est vraiment relou, ouais, je comprends pas pourquoi. Proposition de contrat, accepté, bienvenue. C'est bien, bienvenue, ça, holding. Acceptez l'offre. Allez, bienvenue au club. Blank a accepté, du coup. On va changer l'équipe A. Offre de transfert pour Martinez. 3 millions 4. Il vaut combien? Il vaut 5 millions. Respectez-moi un peu. Ça va, toi. Rejeter l'offre. Négocier. Ah, voyons comment ça se passe là. On va laisser l'animation encore. Ok, ça va commencer à skip. Soumettre proposition, proposer nouveau, ouais, on va mettre 5 millions, ça va, eux, ils sont chauds. Tu vas lâcher l'argent, hein, je sais pas du tout qui c'est, mais tu vas lâcher 6 millions 5, allez, 6 millions 5 et encore 6 millions 6, allez, continuer, soumettre l'offre. Inférieur à 6 millions 6, bah oui, encore heureux, c'est des fous, millions 100, mais ça va. Oh là là, plus la douille encore, hein. Rêve, 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 mon ami. Contre-proposition, proposer à nouveau. Hop, on va mettre 6 millions. Hop, on diminue un peu. Hein, t'inquiète, soumettre l'offre. On a diminué un peu en plus, hein, mais pas trop. Voyons ce qu'il dit, le mec. Il va dire que non, je suis sûr, encore une fois. Mais votre est toujours trop élevé. Ben ouais, ben tu m'étonnes, à 4 millions 100, t'es ouf ou quoi, toi? Jamais de la vie, je laisserai partir pour rien non plus, faut pas déconner. Hein. Zubeldia, ok, on s'en fout. Du coup, on va avancer. Ah oui, il fallait changer ça pour l'équipe A. Hop, Elistondo, du coup, tutelle, c'est holding. Et là, Canales qui s'en va pour blind. Du coup, là, on a notre équipe A. L'équipe A qui est prête avec Hector. Du coup, voilà. Ou oui, avec Hector, oui, tout simplement. Ça fait plaisir. Il fallait un DG, par contre, pour l'équipe bis. Mais bon, on n'arrive pas à trouver. Il faut un DG et un AD. Mais on n'arrive pas à trouver le DG et l'AD. Et il faudrait un DC. Mais un DC d'expérience, c'est ça. Je ne sais pas du tout. Du coup, je ne sais pas qui prendre en DG.
Il faudrait que l'autre y réponde. Je sais plus qui c'était. Tierney, faudrait qu'il réponde. Barreca. Nanana, voyons ce que ça dit, ça, Barreca. 75, 10 millions. Ah, c'est là, voilà. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Tout ça, on s'en bat un peu les steaks. J'ai rien demandé sur ça, moi, mais bon. Barreca, on avait demandé ça, là. Ok, Veloso. Ouais, ok, bref. Upacondo. Qu'est-ce que c'est, Upacondo? Qu'est-ce qu'il a? 69 décès, oui, mais on a recruté Holding déjà. Sisto. Sisto qui a 74 de général. Oh, aïe, 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 dur, 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 dur. En plus, Sisto, je crois qu'il pouvait jouer un peu partout. C'est moche. Martinez, qu'est-ce que c'est ça encore? Benfica, le club est intéressé. Ouais, mais non, je veux pas, moi. Bloquer les offres. Voir action, trier. Ah, vas-y, rejeter offre. Va falloir encore négocier. Et c'est quoi? Ah, Deportivo La Corogne. Ah, mais non, c'était Deportivo La Corogne. Du coup, on va rejeter offre. Allez, vas-y, mais ils sont pas sérieux. Tiene, malheureusement, les négociations sont dans l'impasse car je n'ai pas pu trouver d'accord sur les clauses que tu avais fixées avec Tierney. Il est considéré comme notre offre initiale était trop basse. Il n'était pas disposé à aller plus loin dans les négociations. Oh non, putain, c'est pas possible. C'est quoi ça? Oh là 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 là. C'est pas vrai. Oh le con, vas-y, maintenant qui c'est qu'on va recruter comme DG? Oh, j'ai pas d'idée. Dur ça. Putain, c'est pas possible. On n'a vraiment pas de chance. Ouais, je sais pas qui c'est qu'on peut recruter comme DG. J'avais pas pensé à ça en fait. Je pensais qu'on pouvait recruter Holding, mais apparemment non, on peut pas Holding. Tierney, oh ça te met des feintes ça, c'est vraiment abus-bus, c'est abusé, transférable, voyons s'il n'y a pas un DG, de la Bella, ok, Bolista, oh là là, non 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 non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, en vrai je fais que parler dans cette vidéo, voyons, DG, poste, faut un DG du coup, ah mince, j'étais perdu, hop, DG, nickel, il n'y a pas... Ouais, choqué, on sait pas. Oh, j'en sais rien. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ou Sandro. Ouais, mais Sandro, c'est trop cher, Sandro. C'est pas possible, Sandro. Qui c'est qui peut avoir? J'arrive pas à trouver un DG qui est pas mal et prometteur. Que ça soit en Ligue 1 ou quoi. Ah là 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 là, je vois pas du tout. Je vois pas du tout, je vois pas du tout. Déjà, faut mettre ça. Hop. Ok, ça a cherché alors que j'ai rien dit. Oh, il dure, dure, dure. Bon, désolé, j'étais en plein appel, j'ai reçu un coup de fil, hein, relou. Bref, du coup, ben, je ne trouve pas, j'ai cherché, j'ai mis Baba, mais bon, il faut un DC du coup d'expérience, un milieu, enfin un milieu, pardon, un milieu droit, pardon, où j'ai eu du mal, un milieu droit. Donc voilà, il faudra un milieu droit, un DC d'expérience, un MC. Mais le MC, je prendrai un joueur du centre de formation si on peut faire ça. Et ensuite, on est bon. Je pense qu'on est bon. On a juste le MD à trouver. Non, pas le MD. Oh, je sais plus. Oh, je sais plus. Oh, je suis perdu. Je suis perdu. Ouais, il faut un MD. Voilà, un MD, un MC que je prendrai dans le centre de formation. Un autre DG et puis c'est tout. Du coup, il faut un MD et un DG et après on a fini notre mercato. Du coup, on va juste simuler ça. On va bientôt s'arrêter parce que la vidéo elle va durer hyper longtemps. Allez, voyons. Ah, 0-0. Ah non, mais c'est pas fini. 1-0, bien joué Vela. Vela, bien joué. C'est ça qu'on aime Vela. Parfait, parfait. Il y a des offres peut-être. Rapport sur Kipembe. Voyons Kimpembe, 77, que 12 millions. J'ai mis Alves comme joueur d'expérience, voilà, Tierney. Mais Tierney, il veut pas négocier, il est relou, alors qu'il a un bon potentiel. C'est pénible, ça. Tierney, on a vu, ça aussi, on a tout vu. Je m'inquiète, coach. Wesh, tu joueras, t'inquiète, tu vas jouer. Mince, ça devait être avec l'équipe B. Ah ouais, voilà, c'était avec l'équipe B. Dur, t'inquiète, tu vas jouer là, Inigo. De toute façon, t'es le titulaire indiscutable de la team. Voyons, il y a un petit mail. Prieto, 5,7 millions.
Ah, là c'est plus. Non, ça vaut 7 millions 5. Oh là 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 là, relou. On va négocier encore une fois, qu'est-ce que je te dise? 7 millions 5 qui propose toujours en dessous, je comprends pas pourquoi. C'est fort énervant, hein. On va soumettre une offre à 8. Non! Non, j'ai accepté le con! Putain, j'ai fait le con, j'ai accepté! Oh là 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 là, dur! Oh y a, Tierney qui a pas accepté. On peut. En plus, avant, on pouvait renégocier, mais maintenant, on peut plus négocier. Oh là 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 là. Pour le prochain match, je suis vraiment content. Ouais, nanana, t'inquiète, tu joueras pas de toute façon. Rodriguez, dans ce secteur, ok. Là, on va passer. Et je pense qu'on va s'arrêter là, je pense. Voyons si c'est la finale, si on se qualifie ou pas. Et on est qualifié, bien joué Pardo. Et Vela, Pardo qui a l'air hyper chaud. On va à un petit mail encore. Rapport sur Bruno Alves. Qu'est-ce qu'il y avait marqué mince? Tu ne recevras plus. Ah oui, on s'en fout. Dotation 1 million 3 propre Prieto. Nanani nanana. Vert accueil transfert. Putain, j'ai accepté pour ça. J'ai fait le camp. Déçu de ne pas être titularisé, ouais, t'inquiète, tu t'en fous, on s'en fout de toi. C'est la demi-finale là, voilà, c'est la demi-finale. Offre de transfert pour Vela, ouais, tu peux rêver. On va refuser, rejeter, voilà, bim, c'est mort. Non, 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 Vela. Mais c'est bizarre que Vela là, on a une proposition de transfert alors que je sais pas. Attendez, oula. C'est qui ce joueur là? Orasiabla? Orasiabla? C'est qui ce mec là? Oula, peut-être je l'ai mis sur les transferts. 22 millions! Il en vaut que 18 millions! Attendez, je vais regarder si je l'ai mis sur les idées transferts lui. Why? Oh mais c'est chaud! 22 millions! Alors là, on pourrait recruter au taquet de trucs, hein. Odriozola. Ah non! Ah non, non, non. Ah non, c'était pas lui, pardon. Mais c'était qui, du coup? Oh, je me souviens plus. Yarramendi, Muguruza. Ah, c'est lui, voilà. Ah non, je l'avais pas mis, je l'avais pas mis. Du coup, non, c'est mort, on n'accepte pas. Il me semblait bien que je l'avais pas mis. Hop. On va pas. On va refuser pour lui. Wow, 22 millions. 22 millions, carrément. Rejeter, hop. Putain, je sais pas, il faudra que vous me proposiez un DC et un MD, quoi. J'ai juste ça, un DC et un MD à trouver. Et après, c'est bon, l'équipe a l'air correcte. Coach, je peux vous demander quelque chose. Vas-y, tu veux une augmentation, c'est ça. Rafa Suarez, qu'est-ce qu'il a? Il est pas mal en plus, lui, mais on peut pas le recruter parce qu'il est prêté. Relou, relou, relou. Relou, Baba, voyons, Baba. Il vaut 10 millions 5. Ah, ça peut être pas mal. Ah, mais vas-y, on peut pas négocier avec lui. Oh, mais on peut pas négocier aussi. Oh là là, mais je comprends pas ça. Qu'est-ce qu'il veut? J'espérais que vous allez faire tourner. Ouais, tu peux rêver. Oh là 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 là, mais j'y comprends rien. J'y comprends vraiment rien là. Oh, il est où, Baba? Peut-être on peut prendre Baba. Quoique, ça me serait pas utile. Non, ça me sert à rien de prendre. Baba, du coup, on va finir cette compétition et on va s'arrêter là. Quoique là, j'ai mis l'équipe A, ça me fait un petit peu peur, voyons. 3-1, parfait. Vela, Pardo, ouais, mais Vela et Pardo, ils sont trop chauds, si c'est abusé. Il va me dire l'autre qu'il a été déçu de ne pas avoir été titularisé, j'en suis sûr de ça. Conférence de presse, tais-toi. Prieto vendu, 4 millions 2. Daviala, c'est quoi ça? C'est qui ce mec? Près d'un an. On va accepter, on s'en fout, hop, nickel. Ensuite, dotation compétition, 3 millions, why? Ah oui, quand même, ah oui, propre, propre, propre. Ah mince, j'ai pas vu, c'était quoi, Kevin Rodriguez, 2 millions 5. Mais Rodriguez, il est quoi? Mince, il est DG. Il est DG, ouais, mais non, 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 je peux pas le vendre, je peux pas le vendre, vu que. Mais il se fout de moi, c'est pas possible. 2 millions 5, il en vaut. Ah non, 2 millions 2. Ah non, 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 c'est l'équipe. Il est dans l'équipe bis, donc c'est mort. Du coup, c'est le dernier match de coupe face à Stoke City. C'est
c'est quoi ce match? Aguirre, lui il était sur la liste des transferts, 7 millions 5 ils en proposent, 7 millions 2, allez on va négocier, on va essayer de prendre 8 millions, 8 millions 3, on va essayer de gratter, on sait jamais, et on va proposer, on va s'arrêter là, je voulais dire 8 millions 3, allez on est des escrocs, on aura surtout liquidé, soumettre l'offre, hein. Voyons ce que ça dit. Bien, je comprends que vous ne souhaitez pas. Nous sommes prêts à payer. Ah, je croyais qu'il voulait pas. Ok, bon, c'est pas mal. Aguirre qui aurait pas joué de toute façon. En plus, il va continuer à jouer en Espagne. Ok. Conférence de presse. On s'en fout. Voyons. Ah bon? Ok. Il veut pas. Ok, bah oui, bah tout est normal. Par contre, lui, c'est relou là. On veut pas le. On veut pas. On veut pas le faire partir, je comprends pas. Hein. Et il y en avait une autre. Ah ben non, il n'y en a pas d'autre. Ok. Conférence de presse, conférence de presse. Voyons s'il y a un truc avec le centre de formation. C'est où que c'est, réseau de recrutement. Il n'y a pas l'air. Ah si, staff jeune. Du coup, on va faire ça. Engager. On va en engager un bon, quitte à faire. Miguel Queiroz. Ouais, on va engager le plus cher. Recruteur disponible, mettre en place un réseau de recrutement. On va mettre un MC. Allez, on va tenter. Combien ça vaut là? 114 millions. Et là, 114. Et voyons en Argentine. Ouais, c'est toujours 114. Du coup, on va tenter ici. Voilà, on va tenter ici en France. Allez, en France, notre pays. Hop. Oui. Par contre, il n'y a pas type, non, pas tout. MC, technique, ailier, meneur de jeu, gardien, axé sur la défense, fort physiquement, je sais pas, on va mettre tout, allez, on va laisser en tout, peut-être il pourra me trouver des petites pépites, et ensuite, ben, c'est bon, vas-y, on est parti, voyons le budget de transfert bénéfice, on est, le budget, c'est quoi? Ouais, carrément! Ah, je me suis trompé. Oh là là, je suis en panique. Je suis en panique. On a. Ouais, ça va. En fait, on est tranquille. Quoique 5 millions, c'est pas la folie non plus. Elle voulait garder. Oui. On a fait 5 millions 7 réseau. Ouais, c'est vite fait. Ouh, ça va être tendu quand même. 5 millions 7 de budget, c'est pas non plus la folie folie. Du coup, on va mettre l'équipe B. On n'a pas envie de les blesser quand même, on sait jamais. Hein, même si on gagne pas, de toute façon, on aura gagné au taquet d'argent. Et on a perdu dur. Vela qui a marqué. Pardo qui avait pas marqué. Ok. Du coup, on va s'arrêter là, à mon avis. On va voir contre qui on va jouer dans les prochaines vidéos. Parce que dans les prochaines vidéos, on va jouer. Là, c'est sûr. William José. Ouh! Ouf! 32 millions 6. Why? Ouh là 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 là, on va négocier. Ah oui. Alors là, attendez. Ah non, mince. Je voulais pas le vendre. Oh dur. Ouais. Bon, vas-y. On va proposer un truc de ouf. Allez, 80 millions. Ah non, non, non. William José, c'était mon équipe B. C'était mon équipe B. Vas-y, ils vont jamais accepter à mon avis. C'est sûr qu'il va dire non. Ouais, voilà, c'était sûr. Non, 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 non. Ouh là 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 là. Pas William José. Oh, je me suis trompé. Ok. Du coup, on va s'arrêter là. Performance. Nanana, en allant loin de la compétition, nous avons pu permettre au club de mettre en avant. Ouais, tatati, tatata. Ok. Ok, l'autre, il a rejoint le réseau. Du coup, on va s'arrêter là. On va voir contre qui on jouera. On va jouer. Oula! Ah oui, carrément, il n'y a que deux matchs en août. On jouera face au Celta Vigo, face à Villarreal et peut-être face au Deportivo. La couronne, du coup, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à partager. Et sur ce, moi, je vous dis à plus. Bye bye! Et au fait, j'ai oublié de vous dire un truc. Désolé, bon, ça a repris. Aussi, dites-moi pour. Mince. Pour le DC et le MD, qui sait que je peux prendre une petite pépite? Ça serait plutôt cool de votre part. Et je verrai ce que vous me dites. Et sur ce, moi je vous dis à plus, bye bye, de nouveau, tchou!